Et voilà. Non, mais je suis vraiment trop fort avec les musiques en ce moment. Hop, hop. J'ai bien mis mon micro. Oui, je teste mon retour. Musique en ce moment. Le retour, il est bon. Alors, ça, je peux fermer. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, je peux le fermer. On peut passer, hop, sur le jeu. S'il veut bien prendre le jeu en compte. Voilà, c'est bon. C'est bon. Option. Sonore. Rendre muet. OK. Bon. C'est bon. Charger. On en était où? 38. 27 à 15h15. C'était ça. Oh, je sais plus du tout où on en était. Me gratte l'œil. Bon, allez, on est parti jusqu'à 4h30, comme ça, minimum. Donc, à peu près 3h. Oh là, oh là. Bad bisous, il a dit. Alors, P. Que je me souvienne comment ça marche. J'ai du bordel sur moi. Ok. I, inventaire. J, journal, voilà. Alors, on doit faire quoi? Je base du poker, mettre un pratique, un vieux fardeau. Je dois demander d'entrer au corps de la chapelle de Révérend. Suive cette quête. Je suis où? Attends. Je suis là. Forgeron. Ok. On va voir le révérend. Juste petit truc. Voilà. Ah! Attends, P. Juste un truc qui s'est ouvert, voilà. Voilà. The Witcher. Pot, 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 Bon sang, ce que j'ai soif. Alors, je sais plus comment on se bat. Comment je sors mon arme? MPL. Ça, F. Comme ça, D, Q. Merde, je sais plus sortir mon arme. Qu'est-ce que j'ai branlé? Option. Commande. R. R et D. Il doit y avoir un truc que j'ai pas fait. R. C'est bizarre. Il y a un truc que j'ai pas dû. Contrôle, shift, contrôle, alt. Non. Les macros, non. Qu'est-ce que j'ai branlé? Merde alors. C'est bizarre. Il y a un voyageur. On va lui demander s'il sait comment on sort l'arme.
Non, pas de mission pour vous. D'accord. Pas de mission. Voyageur. Le roi Foltest a encore augmenté les droits de douane. Ça promet. J'avais pas un bouton pour faire la carte. M. Ah. Alors déjà, je suis pas parti dans le bon sens. Ça promet. Après, peut-être que je peux pas sortir mon épée en permanence. Mais il me semblait que si, en fait. Personnage. Car. Ok. Bah, je sais pas. Je sais plus. Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Je dois d'abord le rallumer. Ok. Bah, Geralt, t'es fort. T'es fort, mais le jeu, il est légèrement... pas... difficilement contrôlable. Voilà. Il a quelques petits problèmes. Aranborg. Bah, il a un nom vert. Donc, je suppose qu'il doit être important. Bienvenue. Vous êtes Arenbrog, marchand et intermédiaire à votre service. Quel bon vent vous amène? Qu'est-ce que vous proposez? C'est le révérend qui vous envoie? Évidemment. J'ai du mal à vous croire. Tiens, regarde ma bague! Par le feu éternel. Un cadeau du révérend? Ouais, ouais. Le révérend m'envoie. Il pense que vous avez besoin d'un sorceleur. C'est vrai. Les morts sortent du fleuve la nuit. Aidez-moi. Le prix importe peu. 25 millions! Je vous aiderai en échange d'informations sur la salamandre. Et 200 orins pour couvrir mes frais. Chercher la salamandre, c'est chercher les ennuis. Mais ça me regarde pas. J'accepte. Saleté de morts-vivants. Ils effraient la clientèle et détruisent mes caisses. Et cette cargaison est prévue pour un client très particulier. Ouh! Où est-ce que je trouverai ces noyeurs? Au bord de la rivière. Ils sortent à la nuit tombée. Bien. Sorceleur! J'ai trouvé ces drôles de dés. On dirait de l'artisanat nain. Pas ici! Vous allez nous attirer des ennuis. Vous avez peur d'une boîte? Avec toute votre contrebande? L'instinct de survie. Le révérend déteste ce jeu. Vous savez de quoi il s'agit? Non. C'est clairement pas l'œuvre d'humain. C'est diabolique. Les nains en sauront sûrement davantage. C'est Zoltan qui m'envoie. Il a réussi à vous appâter? Vous savez pas dans quoi vous mettez les pieds. C'est pire que le fistec. Je ne joue que quand je le souhaite. Ils disent tous ça. On y va? Comme je le disais, je ne joue que quand je le souhaite. Par le feu... Oui, qu'avez-vous à vendre? De tout, en fait. Mais les temps sont durs, ma sélection est limitée. Montrez-moi donc. Le client a toujours raison. Oh là, alors. De quoi boudou boudoum? Un âme, une hache, une dague. Un glaive. Témérian. Ouais.
On va faire un coup de... Vas-y. 5. Lance les dés. Deux doubles. Vous augmentez la mise. Vous avez deux paires. Ah, il a deux paires. Allez, plus 15. Le 3. Oui, un triple. Vous avez perdu la partie. Pourquoi ? J'ai pas compris en fait. Oh, 2-6. Alors 6-6-1-1-4. Alors, je bite rien au jeu, hein. Ouais, j'ai gagné 100. Oh. 3-3. 6-6. Ah, une suite au 6. Alors, attends. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, merde. On continue, mais bon. 2, 3. Le 2. Vous avez perdu. Bon. Bah, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est pas grave. Jolie dame. Merci. J'espère qu'il parle pas de mon... Alors, faut qu'on aille voir le révérend. Faut qu'on fasse quand même une mission, hein, parce que... C'est bien beau de se promener, de faire joujou avec les gens, avec Dédé, mais bon... Je m'ennuie. Et moi donc? Révérend, révérend. Tous autant qu'ils sont. Faut que j'y aille. Ou le révérend sera furieux. Révérend. Parlez. Ok. Je voudrais enterrer un homme dans la crypte près de l'église. Je vous suis reconnaissant d'avoir allumé le feu éternel. Alors c'est d'accord. Dans la crypte gîte un sarcophage usé par le temps. Usé par le temps? Vous préférez creuser un trou? Le sarcophage fera l'affaire. Ok. Oh. Pourquoi ça sent... Ah non. Oh, il a volé l'église. Escalier qui descend. Sarcophage. Oh oh. Vous vous souvenez de moi? Vous m'avez pourchassé, vous et votre meute fantôme. Je vous chasse encore, bien que le mot soit peu approprié. Pourquoi? Je veille à l'accomplissement du destin. Quel est mon destin? Le destin est un glaive à double tranchant. Vous êtes
L'un de ces tranchants et l'autre est... La mort. Je vous suivrai partout, à l'affût de vos erreurs. Il y a la mort, mais aussi le libre arbitre. Je trouverai la salamandre et accomplirai le destin de mon choix. Je vous attendrai. Endrian va, sauve les hauts. Vous vous moquez du destin. C'est un glaive à double tranchant. Vous êtes l'un des tranchants et l'autre est... La mort ? Non. C'est nous qui mourrons à cause de vous. La mort vous suit. Elle marche dans vos pas. Mais les autres meurent à cause de vous. Bon ! Je tape des fantômes, moi. Je leur tabasse la gueule. Pose inventaire. Alors, qu'est-ce que j'ai à manger? Le mec qui fait ses courses, quoi. Point de vie. Mais attends, je cherche le bouton, putain! Jeu de merde! Putain! Vas-y, option, commande. Truc rapide, c'est quoi? Mode nos combattants, arme suivante, hard, green, emplacement rapide, 1, 2, 3. Emplacement rapide, 1, 2, 3. Alors, personnage, 1, 2, 3. C'est quoi ça? J'ai rien qui fait du soin. J'ai plus rien qui se bouffe en fait. Ok. Je vais acheter à manger. Ou récolter à manger plutôt. Mais dégage le petit là! Je vais te foutre une baffe dans la gueule! J'ai vu un tonneau! Non, c'est impardonnable! Toi, tu vends? Ah bah voilà, tu vends de la boue. Voilà. Et prix 100 de bouffe. Pour 100. Des bonnets. Tous autant qu'ils sont. Oh oh. On va essayer une autre option. Hop, sauvegarder. Vizima. Voilà.
vous m'avez... Pour quelle... Il n'y a pas de... Vous refusez de croire au destin. Vous ne croyez pas qu'un enfant désigné par le destin affrontera les épreuves des sorceleurs ? Vous me donnerez la chose que vous ne vous attendiez pas à trouver chez vous. Cela vous éclaire-t-il ? Non. Si vous méprisez le destin, répétez donc ces mots. Je prouverai que le destin n'existe pas. Je vous donnerai la chose que je ne m'attendais pas à trouver chez moi. Vous m'avez donné votre parole. Je resterai derrière vous. Mais votre heure n'est pas encore venue. Nous nous reverrons. D'accord. J, journal, alors. C'est bon, ils ont fini? Bon. Quête. Il est temps d'aller voir Lorraine pour me faire payer. On va se faire payer. Carte, c'est où? On se fait payer. Ah, il faut qu'on retourne à la taverne. Oh putain. J'avais peur de pas te trouver. Alvin, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait des cauchemars horribles. Je voulais te voir, mais j'ai rencontré le révérend. Il m'a dit de prier le feu éternel. J'ai demandé pourquoi, et il a voulu me fouetter. J'ai fermé les yeux, et j'ai pensé très fort au feu. J'ai entendu un sifflement. Il y a eu une odeur dégoûtante. Ça a dû marcher, parce qu'il m'a pas touché. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a regardé bizarrement. Si le révérend lève à nouveau la main sur toi, viens me le dire. Je te le dirai. Rentre chez Abigail. Elle doit s'inquiéter. Caroline aurait voulu un enterrement, mais pas ici. Au revoir, petit. Ah, cet enfant. Une bonne baffe dans la gueule et il sera soigné. c'est bien par là. C'est par là. Ok. Pas que je refasse tout le tour de la ville comme tout à l'heure. Poussez-vous. Moi, je cours. Ah là là. Ah là là. Quand je vois des portes verrouillées, ça me donne envie de faire du Skyrim en fait. Et tout déverrouiller. Je n'ai pas de travail pour vous. Ah, le chasseur du roi, il a un truc. Il est vert. C'est pour ça, toi. Salutations. Yo. Au revoir. Adieu. Et eh ben voilà. D'accord. Allez, vas-y, dépêche-toi. Cours, petit Gérald, cours. On va aller foutre des pains dans la gueule aux gens. C'est dur, la vie de soldat. Ouais! Ah, il y a le chaton! Il y a le chaton! Il est où l'autre? Je vais lui foutre des pains dans la gueule! Tu te bats ou tu fais? Viens, je te fous des pains dans ta gueule! Pour 10! Pour 8! Sans souffrance, on verra. Des pains dans ta gueule! Des pains dans ta gueule! Hadouken!
Ouais, GG, le château a acheté Starview Valley. J'ai envie de cogner quelqu'un. Tu veux? Il propose 10. Moi, je dis pour... Allez, 24. Pas question. Ah, putain. Tu veux... Vas-y, viens, je te fous ta raclée pour... 20. On verra. Je vais lui péter la gueule. Je vais lui péter la gueule. Et t'as déjà... tu l'as testé déjà, Starview Valley, ou pas? Frappe-moi. Moi, je fous des patates de fourra, moi. Tu gagnes. Comment tu peux savoir déjà jouer si tu viens juste de l'acheter? On va pas se battre, tricheur. Tu veux prendre... 10 pour 20. Pas question. Mais ah, vas-y. Tu veux... Parce que voilà. Voilà quoi? On verra. Bah, c'est à force de me voir jouer, tu te dis, ah ouais, maintenant, vu que il est trop fort, j'ai réussi à... C'est nul. T'es nul. Hadouken. Non, mais tu m'as regardé jouer, t'as vu que... Comment on optimise parfaitement une ferme, et puis voilà quoi. Maintenant tu sais jouer. Non, parce que je l'avais, comment dire. Tu me comprends. Non, parce que je l'avais, comment dire, tu me comprends. Tu l'avais, Tipiak ? Oh là là ! Nous parlerons plus. Merde, je sais plus c'est à qui. Attends, J. Lovarden. Lovarden. Non, Lovarden. Lovarden. C'est le gros. Des nouvelles. J'ai enterré votre ami. Quelle triste fin. Au beau milieu de nulle part. Il a une sépulture décente. Alors je peux partir pour Vizima, la conscience en paix. Vous n'oubliez pas quelque chose? L'argent! Vos 200 orins. Rends de l'argent. Une nouvelle quête de fini. Alors. S'occuper de la salamandre. Noblard, de Frozen, poker, poker. Rechercher. Je dois parler au garde Evina pour trouver les ennemis du professeur. Non. Arven. Tuer les noyeurs. Alors, on est là. Ah, faut aller sur... Oh là là. Je vais peut-être stocker des trucs dans mon coffre. Vous voulez quoi? Mon coffre. Alors... Ouais, en fait, j'ai pas grand-chose à stocker. C'est quoi ça? De l'eau. Ok. Au revoir. Ah là là. Y a pas urgence. Bah, le chaton, normalement, pour 2018, c'est-à-dire, je crois, alors j'ai pas la date précise, mais il y aura le multi. Tu voudras qu'on en fasse ensemble? Je suis bien sorti par le bon côté. Oui.
Ah là là. Ben, Lise. Ah oui. Je cliquais pas sur le bon bouton. Porte verrouillée. Ah. Voyageur. En plus, il flotte. Oh là là, quel temps de merde. Putain, en plus, je suis pas parti dans le bon sens. Droite ou gauche? Je sais plus. Gauche. Les pigeons. Ah. Ok, c'était pas ça, c'était l'arbre que je voulais prendre en fait. Non? Bon bah tant pis. Il veut pas prendre l'arbre, il veut pas prendre l'arbre, hein. Bérédis. Et ça fait quoi la Bérédis là? Bérédis. Ah, c'est des... D'accord, c'est des... pour l'alchimie. Enfin, qui se... Ah oui, c'est pas le bouton. Je marchais pas sur le bon truc. Tac, 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 tac. C'est quoi? Les noyeurs, les noyeurs. Pour l'instant, les noyeurs sont pas là. Donc on va fouiller la maison. Malfrat. Foutu non humain. C'est pas croyable qu'il en reste encore. Il s'est jamais pris un coup d'épée à travers la gueule, lui. Quatre, huit. Dégage. Je suis peut-être pas un humain, mais toi tu tiens pas à ta race, quoi. J'ai tellement de pourrir ta gueule après. Je vais lui péter la gueule, je vais lui péter la gueule. Le tonneau. Fouille, le tonneau. Une fois, je me suis fait une petite elfe. Ouais. Dégage. Vous êtes méchant. Foutu non humain. C'est pas croyable qu'il en reste encore. Les elfes. Ah, il s'est jamais pris un truc à travers la gueule en fait. Ah, c'est vous les rats. Sorti. Ah merde, pause. Entrée du moulin. Porte de maison de Harden. Ah ah. C'est vous les pioupiou là. Ah, on fouille tout hein, en attendant. Placard. No. Placard. Contre les non-humains. J. Non, c'est pas J. Je sais jamais le bouton de l'inventaire en fait. Bla bla bla. Ok. Glossaire elf. Nain. Gnome. Stalker hell. Ok, Je vais me reposer près de chez toi. Je vais faire ma petite prière.
j'ai pas des points à revêtre. Hop, au crépuscule. Non, la nuit. Et hop, dodo. Oh là là. Hop. C'est bon, petit sorceleur? On va taper de la j'allais dire de la goule. Du noyeur, voilà. On récupère deux pièces par deux pièces. Tching. Merde. Oh. Ah merde. Bon, il va arrêter de se foutre de ma gueule, lui. Oh là là. J'ai rien vraiment contre les noyeurs. Hein. Wouah! Wouah! Karaté ninja! Oh, un elfe. Kedmil Hafkaren. Bienvenue. Nenduan. Et c'est Vatgern. Vous ne nous intimiderez pas, sorceleur. Où est Arenbrog? Il nous a promis des spécialités à Vekar. Je n'aime pas votre ton. Arène ne m'a pas parlé de vous. Je ne faisais que chasser des noyeurs. Vartelnen, vous n'êtes ni un Ainsaid, ni l'un de ces satanés douanes. Nous allons prendre nos armes et partir tranquillement. Ces marchandises appartiennent à Arène. Désolé, Ainsaid, mais vous ne toucherez pas à ces caisses. Écoutez-moi bien, Vatkern. Nous faisons partie d'un groupe de 20 elfes. Nos frères sont malades et affamés. Ces caisses contiennent de la nourriture, des médicaments et des armes. Il nous les faut, car nous ne pouvons pas nous rendre à Vizima tous les jours. Je vois ce que vous voulez dire. Bien, nous n'avons pas le choix. Mais vous, si. On fait quoi? Désolé, bye. Mais je travaille pour Arène. Vous allez devoir trouver vos spécialités à Vekar ailleurs. Vous êtes prêt à mourir pour ce douane? Mais vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Aucune importance. Ne touchez pas à ces caisses. Alors nous vous tuerons avant d'égorger Arène. Ce sera une leçon pour tous les traîtres. Sparle. On dirait des mouches dans la mélasse. Si t'avais des couilles, je te les taillerais en pointe. On va fouiller, hein, maintenant. Voilà.
Merde. J'ai fait pause. C'est bon? Ou vous êtes encore là? Bon, five. On va lui parler, hein. C'est une dague. Bon, c'est pas grave. Oula. Range l'épée. T'es où? Sorceleur. J'ai tué les noyeurs et je suis tombé sur des elfes. Je ne connais aucun elfe. Pourtant, ils vous attendaient. Qui sont-ils? Qui sont-ils? La Scoetel, les écureuils. Des résistants non humains. Ceux qui collaborent avec eux sont pendus. Si vous me trahissez, ils vous pendront pour complicité. Je ne dirai rien. Mais pourquoi faites-vous affaire avec eux? Il faut bien gagner sa pitance. En tout cas, j'ai fait mon travail. Je vous avais sous-estimé? Dites-moi, que sont devenus les elfes? Nous avons eu un désaccord. Ils sont morts. Leurs amis vont venir récupérer la marchandise. Mais on n'aura qu'à accuser les noyeurs. Je veux juste mon or et les informations sur la salamandre. Voici l'or. La salamandre rançonne les villageois. Ceux qui résistent se font trancher la gorge. Où puis-je les trouver? C'est au révérend de décider ce que vous devez savoir. Moi, je ne me plaindrais pas s'ils disparaissaient. Mon ami cherche un nain, un certain Hoog, de la Scoetel. Je vais poser quelques questions. La Scoetel. Ouais, on a gagné de l'argent. On est content. Donc, J, journal. Alors, les dés, on s'en fout. Révérend, je dois parler aux habitants des faubourgs pour un nain. Je dois parler... garde Vizimar. Ouais, mais il faut être dans Vizimar. Donc, c'est pas pour tout de suite. J. Noblard, dans le plus fort. Ok, merde, c'est où? Révérend. Ok. Oh! J'ai vu quand qu'il y a des noyures là? Non, mais... Ça y est, les noyeurs, ils veulent faire... Ils se croient importants. Une peur. Ah, mais si, j'étais déjà rentré ici. Alors, c'est quoi l'autre porte? Ah, il y a deux portes, ok. Ah, bah le noyeur! Ouah! Karaté Ninja Noyeur. Hop. Ah là là, les noyeurs. Faut qu'on aille voir le révérend maintenant. Ah, ah. Oh le... La bait. La bait. Merde. C'est chiant.
Oh oh! Des têtes de loup. C'est un salaud, il m'a envoyé des monstres. Bon, il n'y en a plus ? Bon. Voilà, voilà. Pauvre chien. Pauvre petit toutou. Putain, tu vas pas faire ton bordel toi aussi. Bon ? Il est peut-être dans sa maison en fait. Ce sera plus simple en fait. Le révérend. On va fouiller chez lui, hein, parce que hein. Bon, il n'y a pas grand chose. Révérend. Parlez. Les monstres de Odo et de Haren ne sont plus. Et pour Mikul, j'ai chassé les ghouls de la crypte. Seriez-vous donc de taille à vaincre la salamandre ? Bien sûr. Pour savoir où se trouve leur repère. Je ne vous dirai rien tant que vous n'aurez éliminé la bête. J'ai fait ce qui m'était demandé. Où se trouve le repère de la salamandre ? Allez à la taverne. Des gredins au service de la salamandre s'y sont installés. Ils se cachent dans la vieille demeure du tavernier. Olaf aura la clé. Et sorceleur ? Oui. Non, rien. Quoi ? Puisse le feu éternel briller sur votre âme. Dites aux villageois de rester cloîtrés chez eux. Je ne veux pas te blesser. Oh oh ! Sur la piste d'assemblée. Doran à la taverne. Suivez la quête. Oh oh. On va faire une sauvegarde quand même. Une vraie sauvegarde cette fois. Chapelle. Alors, la carte. C'est à la taverne. Taverne. Chapelle. Maison. J'ai dû me tromper. Je dois me rendre à la taverne. Ok. Voilà, ça va être simple. Voilà. Bon, les morceaux, je sais pas à quoi ça sert, mais hein. Parce que... c'est là. Parce que les... les crocs, tout ça, c'est bien gentil, mais... je sais pas vraiment faire l'alchimie encore. Je suis nul en alchimie. Ah oui. P, personnage. Faut peut-être que je mange en fait.
Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est ça. Pourquoi il veut pas l'utiliser? Ok, c'est pas grave. Parce que j'avais sorti mon arme. Merde. Non, J c'est... Oh là là, je me trompe à chaque fois le bouton en fait. Voilà. La taverne. Oh oh. J'ai vu un truc, c'était marqué. Sbire de la salamandre. Monsieur, dame. Où est ta contribution? Quelle contribution? Les gosses abrutis. Laissez-moi passer. Sans contribution, personne passe. Ça ne mène nulle part. Pétage de gueule! Ouf, merde! Sauf si je tape premier. Ça marche mieux quand je tape en premier en fait. En fait, il est pourri. Ils sont tous pourris en fait eux. Non, au revoir. Oh. Je vais juste faire un petit truc, je reviens. On va juste passer sur la pause.
On repasse sur le jeu. Alors. On va manger. Peut-être un troisième. Allez. Une bière. Faut qu'on aille voir à la taverne. C'est... Je suis où? Alors, à droite, droite. Droite, droite, voilà. Eh merde. Oh, on s'en fout. Les gars, j'ai des machins verts au cul. Ah oui, attends. C'est 4, voilà, c'est ça, 4. La porte. Il n'y a plus personne ici. C'est triste. Oula, oula. Shani, je viens t'aider. Laissez-moi. Tu peux roucouler mieux que ça. Ne me touchez pas. Et fougueuse avec ça. Et si on lui montrait ce qu'on a fait à Ilsa, la coquine de Mikul? Quelle hurleuse, celle-là. Encore un nouveau? Il a dû te dire de l'attendre ici, comme nous. Allez, on va rigoler avec cette petite poule. Cette dame est sous ma protection. Vous ne la toucherez pas. L'autre derrière qui est énervé. Vraiment? Merde! Bon, c'est bon. Oui, j'ai remis. Ah, j'étais pas sûr. Oui, ils m'ont eu par surprise et ont tué le tavernier. Ah merde. Ils n'offront plus aucun mal. Je pars pour Vizima. J'espère t'y retrouver. Je vais t'accompagner. Je t'attendrai ici pendant que tu t'occupes de la salamandre. Pense à moi et frappe encore plus fort. Je reviendrai pour toi, Janine. Je frapperai avec ma bite s'il faut. Le tavernier. Je suis sûr que t'avais dernier. Ah merde. Bon. Dague. Là, là. Lui.
Ce grand con, je sais pas si je l'ai fouillé. Si, j'ai dû le fouiller. Je t'attendrai ici. Donc, J. La clé du repère de Saint, je dois m'y rendre. Chanima. Vissima. C'est où? Ah, ah bah c'est là où j'étais en fait tout à l'heure. Oh oh. Est-ce que je peux mettre du jour? Il me faudrait un feu de camp. Voilà. Alors, j'ai trois points. Acier. Puissant. Oh. Lance désarmement. Renversement plus 25. Non. Force. Plus de parade. Dextérité. Non. Endurance, peut-être. Résistance au poison. On médite une heure. Oh là là. Ah, j'aurais dû méditer plus longtemps. Jusqu'au petit jour. À midi, voilà, comme ça il y aura du monde en cas de problème. J'appelle les gardes, et puis voilà. Hop, on va sauvegarder quand même. Ah. Médite, bah ouais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Alors, on avait dit par là. Alors, gauche, tout droit, gauche. Gauche, gauche. Ah. C'était bien par là. Non, c'était pas par là. Je savais bien que j'avais raté la sortie. Des tombes récentes. Oh. C'était passé par là. C'est des choux, hein. Je sais pas où t'as vu des tombes, c'est des choux, hein. Ah, là. D'accord. Petite maison, petite maison. Eh bien, c'est celle-là ou c'est celle d'après? Ah, c'est celle d'après, ok. Bon, je te rejoins Skype ou pas? Étant donné que je fais du The Witcher, je vois pas... Moi, ça me dérange pas, mais bon, je vois pas ce que ça va... Attends, faut que je lance Skype, alors. Hop, hop. 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 Ah! The Witcher! Ploup. Il me... Hop, 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 tu veux que je t'appelle ou pas? Ou tu m'appelles? Alors, le temps qu'ils répondent, j'ai le temps d'avancer un peu. Ouais, bonjour. Alors, hop, c'est à gauche.
Ah ouais, mais si tu si t'as laissé le son du live, ça va être compliqué là. Porte, c'est l'autre. Ah, parce que je vais m'entendre en je sais pas combien de fois et ça va être compliqué quoi pour. Allez, vas-y, t'appeler. Sinon, quoi de neuf? Non, mais hier, le chaton, il m'a fait chier. Bah, il me dit, il m'appelle. J'étais occupé, donc je lui dis. Puis, je lui dis, j'arrive dans 10 minutes. Et puis, finalement, quand je suis prêt, bah, il est plus là. Non, mais voilà, quoi. Hop. Des restes. Voilà. C'est sympa, The Witcher, mais il faut fouiller tout, en fait. Ah non, mais moi, ça me dérange pas, moi. C'est presque le principe de Skyrim, quoi. C'est tu fouilles tout, tu piques à tout le monde. Mais le souci, c'est que je trouve que, bah, t'as un inventaire trop petit. L'inventaire de. Il est trop petit. Attends. J'ai stocké. Oula, il y a des gens. Bah, je sais pas, je suis descendu dans une espèce de cave, je vois plein de gens. Donc je sauvegarde avant. Parce que ça sent. Ça sent le combat, quoi. Et en plus, ils viennent me parler, quoi. Mais je sais pas comment on change d'arme en fait. Ouais, mais non, mais en plein combat ça le fait pas quoi. Oui, mais pour ça il faudrait en fait ça marche que en plein combat en fait. Ouais. Il veut pas sortir le reste en fait. Donc je sais pas si ça vient de moi ou quoi quoi. Ouais, non, mais je l'ai tapé avec ma bite, sinon, hein. Comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir fait des dégâts. Bah oui, non, mais là... Surtout, je sais pas si tu vois, mais la gueule du mec, quoi... Putain... alors, attends, option, commande... changer d'arme... Dégainer arme... Pas venu... Ah, d'accord. Ah! Ils me tapent! Ils sont méchants, ils me tapent! Mais cours! Geralt, cours! Voilà, enfuis-toi! Hop! Hop! Ouvrir l'inventaire, manger un truc. C'est vraiment une technique d'enculé, quand même. En gros, tu te mets dans un coin, t'attends un peu que ta vie remonte, et tu rebourrines. Mais dans Skyrim, c'est encore plus abusé, parce que tu peux manger en plein combat, t'es pas obligé d'attendre, en fait. Là, dans The Witcher, t'es obligé d'attendre que ta vie remonte, c'est chiant. Puis elle remonte lentement, surtout. J'ai pas encore de vraies capacités qui permettent de faire remonter la vie, quoi. Ce qui manque, en fait, dans The Witcher, ça serait un arc. Bah si, parce que moi, je joue sniper, moi, en fait, en général. Enfin, je sais que dans le 3, il y a... comment ça s'appelle, il y a une arbalète.
Mais dans le 1, je sais pas s'il y en a une. Je vais juste déplacer le Skype, voilà. Oui, non, mais parce qu'en fait, il était sur mon truc des signes, et en fait, je savais plus quel signe était activé. Si je commence à foutre le feu aux personnes que je suis censé protéger... Bah, ça me dérange pas, mais bon. C'est moins pratique, en fait. Ils sont un peu moins protégés, on va dire. Et le pire, c'est que j'ai rien bité à l'alchimie. J'ai pas compris le principe, en fait, de l'alchimie. Voilà, hop, j'en ai tué un. Je me barre. Vas-y, il en reste plus qu'un. Mais bon. Mais je trouve que dans The Witcher, le principe de loot, c'est bizarre. Tu sais manier le glaive, toi. Que fais-tu ici? Ouais. Le révérend m'a dit d'aller dans la maison abandonnée. Il a dit que quelqu'un m'y attendrait. Ce fils de... Je suis content que tu n'aies rien. Ils ont dit qu'on nous emmènerait à Vizimas. Mmh. C'est là-bas que mène la piste de la salamandre. Ouais, comment tu sais? Nous devons sortir de cette caverne. Ce mur n'a pas l'air épais. On doit pouvoir le casser. Essayons. Même pas, ils font de la peinture. Ouais, non, mais c'est de la... c'est de la peinture de violent, hein. Ah ben voilà quoi, c'est au moins la peinture elle va tenir. Merde. Occupé. Putain, mais il y a 50 000 armes, en fait. Et on peut pas les looter, quoi. Bah oui, moi, je pensais que ça allait... Tu sais, au départ, quand j'ai lancé du The Witcher, moi, je pensais que ça allait être un peu comme Skyrim, c'est-à-dire du genre... bah, il y a des méchants, tu tapes dessus, tu récupères les armes, tu les revends, tu fais de la thune, et puis t'es content, quoi. Bah oui, mais... on peut pas les prendre, parce qu'il me dit, quand je veux les prendre, bah, vous avez déjà une arme de ce type. Vous ne pouvez rien porter d'autre, votre inventaire est plein. J'ai trois herbes dans mon sac, quoi, ça y est, mon inventaire, il est plein. Ouais, non, mais... J'ai compris que Geralt était infragile, en fait. Ah là là. Hakatou! Piou! 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 Ah non, mais il me faudrait une arbalète ou un arc que je puisse leur faire du piou dans la gueule, quoi, à chaque fois. Ah bah... Non, mais je sais pas... j'ai plein de, en fait, j'ai plein d'ingrédients pour faire des des remèdes, des potions, mais je sais pas les faire, en fait. Je sais pas comment ça marche.
Si je savais, ça me viderait beaucoup l'inventaire, je ferais 50 millions de potions et puis c'est fait, quoi. Votre magie fume beaucoup et elle pue. Puis au pire, je les revends, les potions. Ça me fera un peu d'argent, quoi. Pourquoi faites-vous ça ? Regarde cette foule enragée qui hurle, brûlons la sorcière ! C'est elle qui a invoqué la bête. Je dois bien me défendre. Ce sont les ouais, non, mais... hommes qui ont fait apparaître la bête. Ça ne me surprend pas. Miku l'a violée. La pauvrette s'est suicidée. Votre poison a bien servi. Odo a tué son frère par cupidité. Odor. Le révérend a chassé sa fille quand son ventre s'est arrondi. Maintenant, elle vend son corps à Vizima. Ouais. La reine a dénoncé un écureuil au gars pour une poignée d'or. Vous saviez tout ça et vous n'avez rien. Je sais pas, tout à l'heure j'ai vu, il y avait une pub pour, je crois que c'est un DLC ou un nouveau jeu, je sais pas quoi. Je sais pas quoi, il disait, un nouvel anneau est apparu, je sais pas quoi. Parlez à la foule. Protège-moi. Je n'ai pas commis les péchés. J'ai pas fait attention à la pub en fait. Fais-toi ta propre idée si tu veux. Tu vois, c'est quoi l'ombre du Mordor, le jeu? Bah, il y avait une pub. Pour, en fait, je sais pas si c'est la suite ou un DLC du jeu, mais J'aimerais apprendre à vous connaître, Abigail. Et voilà, quoi. Oh, il y a une madame toute nue. Oh. Ah, non, mais la sorcière, je sais pas quoi, on était en train de discuter, j'ai pas suivi la conversation. Il y avait un truc, je veux apprendre à vous connaître. Puis d'un coup, il y a la scène qui devient tout flou et il lui fait l'amour dans les fesses, quoi. Ah non, mais pas dans les fesses, mais ce que je veux dire, voilà, il y a la scène coït, quoi. La scène de coït. Ah non, mais Et puis bizarrement, le chaton, il arrive à ce moment-là. Non, mais ça serait le prince. Non, mais c'est toujours à ce moment-là, tu sais, genre, quand il y a une scène un peu spéciale, que genre, il y a quelqu'un qu'il faut pas qu'il arrive. Genre, tu sais, par exemple, t'es en train de jouer, d'un coup, tu sais, genre, il y a... c'est comme tu regardes un animé, il y a, tu sais, il y a des gens, ils commencent à se dessapiller, puis genre il y a tes parents qui arrivent, quoi. pourquoi t'as la main dans ton pantalon? Pas si vite. Elle a droit à un procès équitable. Elle a brisé ma vie. Elle a lancé un... Mais pourtant, c'est Dragon Ball. c'est Dragon Ball. Ah là là. Piou, piou. C'est le poussin. Piou, piou. Ah là là. Votre frère était un guerrier et vous n'êtes qu'un ivrogne. Comment auriez-vous pu si ce n'est pendant... Pourquoi l'écouter? C'est un mutant, un sorceleur. Ouais, pourquoi l'écouter? C'est un mutant, un sorceleur, butez-le. Si j'étais la Scoetel. Je déteste les non-humains, mais j'ai dû pactiser avec eux. Et ça vous a profité. Non, mais il y a un truc que je comprends pas, quoi. C'est tous des racistes, mais tu leur pètes une fois la gueule, ça y est, ils sont tous potes avec toi. Bah, vous traitez avec des ravisseurs d'enfants. Ah non, mais c'est juste, en fait, au départ, ils disent, par exemple, j'aime pas les sorceleurs, vous êtes tous des enculés. Tu le pètes trois fois la gueule. Et après, il te fait ouais, en fait, vous êtes des enculés, mais toi, ça va. Ok. The Logic. C'est comme, je sais plus, à un moment, il y avait un mec, il disait ouais, j'aime pas tous ceux qui sont pas humains. Je lui ai pété trois fois la gueule. Il me fait. Bon bah en fait j'aime pas ceux qui sont pas humains, mais bon toi t'es sympa. Tiens, voilà une quête. Alors, il m'a appelé. Assez fils de chienne, c'est venu manger. Attends. Assez fils de chienne, c'est fumé au mange à la main. Vous avez raison, Raven. Assez fils de chienne, c'est fumier vous mange dans la main. Vous savez qu'ils vendent des enfants à la salamandre. Comme... Je sais pas, vu que j'ai pas tout suivi. Crache au visage. Vous êtes tous pareils. Ces paroles.
Je m'occupe d'Abigail. Regagnez vos maisons. Depuis l'aube des temps, la femme est le nid qui abrite le mal. Instrument du chaos, elle complote sans relâche contre le monde et la race humaine. Seule la lubricité guide la femme. Pour satisfaire son insatiable appétit et ses désirs contre nature, elle s'enfuit les démons avec joie. Ils veulent nous tuer. Ne craignez rien. La voilà ! Brûlez cette sorcière ! Personne ne brûlera personne. Mes amis, ils tentent de nous effrayer. Mais tant que nous serons ensemble, ils ne pourront rien. Ah oui, vraiment. Partez, sorceleur, et laissez la sorcière. Vous brûlerez avec... Ching ! Oui ? Et qui veut essayer ? Bah, je sais pas, non, mais l'autre il s'approche, il y a Gérald qui fait ching, il sort son épée, quoi. Vivement que j'ai la deuxième épée. Parce que là, ça devient compliqué, quoi. Mon départ, et vous tuez Abigail, mais alors je reviendrai, et je tuerai tous les pouilleux que je croiserai. Ou, vous pouvez opter pour une existence honorable. Lavez votre conscience et recouvrez un peu d'humanité. À vous de choisir. Waouh. Merci, Gérald. Allons-y. Ouais, mais est-ce que tu les monétises, tes vidéos, ou pas? Tu peux pas. Comment ça? C'est, pour la monétisation, t'as pas besoin d'avoir une carte de crédit. Ah, ils ont foutu le feu partout. Oui. Bah ouais, mais c'est pas moi qui l'ai foutu le feu, c'est ça. Bon, bah, je crois que je vais taper la bête. Ils appellent ça la bête, c'est un Doberman en feu, quoi. Fuis, petit Gérald, fuis! Ouais, cours, petit bonhomme, cours! Non, moi, il y a un truc que je trouve ça qui est un peu désavantageux, c'est qu'à chaque fois, quand il y a un boss ou un truc comme ça, il y a toujours des petits gnomes à côté qui viennent faire chier, quoi. Je crois que je vais encore mourir. Mais cours, petit Gérald, cours. Le temps que ta vie remonte. Vas-y, tape la bête. Ah bah, je suis mort. Bon bah, chargez la partie. On recommence. Bah, en fait, moi, au départ, ce que j'avais fait, c'était... J'avais tapé la... j'avais tapé, tu sais, les trash mobs, tu sais, les petits mobs qui sont avec le boss, quoi. Mais en fait, il faut pas faire ça.
Faut taper direct le boss en fait. Faut pas se faire chier. Mais ils arrêtent de me gangbang là ? Bah, ils me sautent tous dessus là. Bah, il est où le boss ? Ah. Ouais, non mais. Putain, je suis encore mort. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est juste que j'ai pas la technique. Puis je bourrine un peu trop aussi. Depuis l'aube des temps. Mais ah, ce qui me gêne, c'est que il peut pas sauter le héros. Bon bah je crois que je vais encore mourir. Oh 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 oh. Bon bah je suis mort. Mais non mais. Ce combat est compliqué. Parce que tu commences, t'es en plein milieu des méchants. J'ai vu une. Votre pour que lui est là. Bah, avec la. Allez, vas-y, tape là. Ah merde. On va regarder c'est quoi la mission en fait. Parce qu'en fait depuis tout à l'heure je fais des trucs mais... Alors ils m'ont donné des potions, c'est quoi, vas-y, c'est quoi les potions? Élixir. On va attendre que la vie remonte. Ah non mais c'est la technique. C'est des techniques de lâche quoi. Ah non mais j'ai pas dit que c'était pas une bonne technique mais c'est vraiment une technique de lâche quoi. Parce que en gros, tu prends une potion, tu cours, le temps que ta vie remonte, tu reprends une potion, tu cours, le temps que ta vie remonte. Bah oui, mais en fait, tu fais pas grand chose en fait de ta vie en fait. Je sais pas combien de fois j'ai déjà fait le tour du truc quoi. Écoute, maman est près de toi. Non mais en plus l'IA elle est con parce qu'elle me suit. Donc en fait il y a 4 gogoles qui courent en fait. Bah c'est l'intelligence artificielle.
Ça y est, j'ai de la vie. Ah, j'ai tué la bête. Ça y est. J'ai tué l'abeille. Ah merde, ils m'ont pas laissé looter. Ah non, mais c'est toujours comme ça. C'est genre, une fois que t'as battu le boss, ils arrivent tous avec des armes, ils font « Ah ah, on vient t'aider !» Tu sais, t'aurais pu arriver 10 minutes plus tôt, mec. J'aurais moins galéré à courir dans tous les sens. Oh, les fuseaux horaires encore, ça va. Bah, c'est comme souvent, hein. Tout le monde fait j'accepte, mais il lit jamais les conditions d'utilisation, quoi. Ah là là. Merci. Que me serait-il arrivé sans ton intervention? C'était mon devoir d'intervenir. Merci. Adieu. Ah là là. De quoi qu'ils disent? Ok. Et t'as déjà fait les 10 000 vues ou pas? Ah. Donc. On va faire sauvegarde maintenant que j'ai terminé ça. J'ai enfin fait ce boss. Je suis content. Non. Quête. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Blablabla, trouver moyen de train dans Vizima. Ok. Un adversaire. The Witcher. Le mec qui est à fond sur son jeu, quoi. Je suis où? Il faut que j'aille à droite. Ça court. Ah oui, ça court avec Clicker, ouais. Mais le souci, c'est que bah s'il est sur Steam, il est censuré. Si. Ah, normalement, il devrait être beaucoup moins habillé. Bah oui, mais voilà quoi. Au bout d'un moment, tu vas voir, c'est déception quoi. Gérald, j'étais vrai. Je te raconterai ça sur le chemin de Vizima. Je n'ai plus rien à faire ici. Moi non plus. J'espère ne jamais revenir. Non, c'est du solo quoi. Bah, tu sais, c'est un clicker, t'as pas...
T'as pas grand chose à faire en fait. Les premiers, le temps que tu lances le truc, et après ça se cumule l'argent, et puis après, une fois quand t'as un certain niveau, tu reviens une fois tous les deux jours, quoi. Moi je reviens qu'une fois par semaine, quoi, parce que sinon je gagne pas assez d'argent. Non mais je dois être à je sais plus combien, peut-être 20 ou 25 filles que j'ai moi. Donc c'est un peu long à les EP quoi. Moi, je coupe le son de ce jeu parce que. Bah merde, elle est barrée où? Ouais, mais non, mais c'est un peu compliqué, on va dire. C'est un peu compliqué. Ouais. Bah, c'est déjà bien. Au moins, il y a deux personnes. Bah avec la chance que j'ai, les deux personnes, c'est Mobot et Naibot. Ah merde, c'était pas par là. Quoi? Ah, on est trois, ça y est, on est trois. Ça y est, ça monte. Non, je l'ai pas dit. Pourquoi? Non, mais un petit aguam, c'est cool, mais bon. Ah là là. Elle me suit, ça va, elle me suit. La madame. Miso. Ils sont tous crevés là-dedans. Et c'est pas moi qui les ai butés. Je suis triste. Fousille le feu, vas-y. J'ai l'impression d'être encore dans le tuto, en fait. Ah là là. Hop, hop, hop. Ouch. Voilà. Tant que la madame elle arrive, on court maintenant. Ah. Oh, ça y est. Allez, vas-y. Bonjour, monsieur le garde. Ah, merde. Ah! Il y a un noyeur, mais il n'est pas du bon côté. Oh là, oh là. Elle s'approche de moi. Cet endroit sans regret. Moi aussi. La bête est morte. Des hommes de la salamandre aussi. Tout comme les paysans. J'ai un sauf-conduit. Mikul devrait nous laisser entrer. Allons-y. D'accord. C'était juste pour me parler qu'elle m'a... Oh là là.
C'est bien une fille, ça. S'arrêter pour parler, quoi. Bah si, non mais... je suis en train de courir, elle s'arrête pour me dire, bon bah en fait, on rentre dans la ville. Bah j'avais compris, hein. J'ai un sauf-conduit. Je veux entrer dans Vizima. Je suis désolé, sorceleur. Demandez pardon à Elsa. Oh là, oh là, oh là. Il y a du monde. Pourquoi ils sortent tous avec des grosses armures et des grosses épées d'un coup? C'est lui notre homme? Oui, monsieur le sergent, oui. C'est cet enfoiré de sorceleur. Ils veulent compenser. C'est ça? Il a demandé qu'il pouvait entrer dans la cité et après, il est revenu avec un sauf-conduit de l'ordre. Si c'est un chevalier de l'ordre, alors je suis la princesse Ada. Salopard. Ah, c'est mieux, ouais. Je suis parti en prison. Chapitre 2, ça y est, le jeu commence. Ça fait 6 jours que vous êtes sur le tuto. Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Le film, c'était pour mon usage personnel. Ah, de l'autotune. Je veux pas être mélangé avec les politiques. La politique, ça rend fou. Je suis un honnête voleur. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu vas pas me pourrir mon live avec ça. Joseph, reste calme. Tu veux me tuer ou quoi? Ce voleur m'emmerde. Voleur? Et je suis avec les politiques. Scandaleux. J'ai dit ferme-la. Arrête de hurler ou je te jure que j'écrase ta gueule de drogué. T'as un problème, Blanchette? Tu veux que je t'apprenne à danser? Allez, je veux voir tes mains en l'air. Ah, il veut que je lui pète la gueule, l'autre. À main nue. Joseph, ouvre la porte. T'as peur? Comme un bébé? Allez, Blanchette, montre-nous. Dégage. Alors, tu te bats, oui ou non? Non. Professeur. Vous êtes libre. Eh merde. Quelle ironie. Nous nous recroisons. Si près et déjà si loin. Ne craignez rien. Salaud. Vous commettez une erreur. C'est un meurtrier. Vous semblez ignorer les règles de notre monde. Il n'y a pas de place dans notre société. Un assassin génétiquement modifié comme vous. Ah, le salaud. Mais nous réglerons bientôt tout ça. Il était en prison, il s'enfuit. Quand vous voulez. Rendez l'argent. Vous avez goûté la saleté qu'il nous sert au dîner? Demain, que faites-vous ici? Je profite des ultimes moments de ma vie. Ou du moins, j'essaie. Mais t'arrêtes de faire des boobies. J'ai une faveur à demander. Mm-hmm. J'ai toujours aimé jouer, et Joseph m'a laissé m'aider. Si vous n'avez pas les vôtres, on peut partager les miens. Ah merde, l'autre, il voulait jouer au truc. Non, moi, je veux pas jouer avec toi, dégage. Le roi accordera son pardon à celui qui vaincra le cocatrix des égouts. Et pourquoi pas la moitié du royaume et la main de la princesse. Les plaisanteries politiques sont parfois mal comprises. Je tuerai le monstre. Trop tard. Nous avons déjà un volontaire. Je fais un meilleur candidat. L'Olibrius dans le coin... Ah, je sais pas. ...tuera le cocatrix à main nue. Qui? Ce petit voyou? Peut-être. Eux veulent la liberté. Qu'ils se battent pour elle. Celui qui gagne affronte le cocatrix. Je sais pas, Chuck Norris? Qui est mort dans un accident. Innocent,
C'était quoi ce cri strident? Jason Statham. Ah bah, je sais pas, moi, tu me dis qui joue dans. Je te nomme quelqu'un qui jouait dans. Je vais tuer le lézard et il me. Allons-y. Espèce de salaud. De quoi Fast and Furious? Bah, si, si. Techniquement, si. Tu peux arrêter de chanter de la merde sur mon live? Ça. À tes souhaits. Pas du tout. Paul Walker, c'est un pote à Texas, Walker? Voilà. Félicitations. À vous le droit d'affronter la bête des égouts. Quel honneur. Vous comptez tuer la bête ou rester croupir ici? Il me faut une arme. Par pure coïncidence, nous venons de Oh, c'est bon. Pas vos oignons. Joseph, apporte le glaive en argent. Celui qu'on a trouvé chez Talar? Oui, imbécile. Non, c'est bon. Demandez-le à Joseph. Moi, je veux pas regarder la Texas Ranger là. Bien. Je veux pas regarder la Texas Ranger. Je vais voir ce que je peux faire. C'est un pote. Le glaive. Dépêchez, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà. Nous avons aussi saisi un élixir. Quand vous aurez terminé votre mission, c'est aussi un pote. Je les réclamerai. Ensuite, je m'occuperai du professeur. C'est stupide. Ce n'est qu'un exécutant. Si vous voulez être efficace, attaquez-vous à la tête pensante. Même si je doute de vos chances, leur chef joue dans la. Ouais, cool. Il a des positions, des relations. Vous... Ben non, mais je le trouverai. Parce qu'en fait, entre les personnes qui regardent. En tant qu'enregistré sur Twitch ou pas enregistré sur Twitch, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi j'ai juste le nombre de personnes qui regardent, mais j'ai pas la liste des personnes en fait. Donc c'est un peu. Puis après, bah s'ils parlent pas dans le chat, ça va être un peu compliqué aussi d'interagir avec eux. Engagez-vous, qui disait, engagez-vous. Ah non, mais ça serait bien. Pour une fois qu'il y aurait, j'aurais plein de personnes. Pour une fois qu'il y aurait plein de personnes. Ah là 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 là. Bah, il y a différents. Ça dépend ce que tu veux faire avec. Exactement. Cheveux blancs. Oui, non mais. Parce que il y a différents bots et en fonction de ce que tu veux faire. Excuse, je ne voulais pas vous froisser. Je suis Siegfried, chevalier de. Parce que actuellement, j'utilise 4 bots en fait. J'en utilise un pour empêcher le spam, les insultes et tout. Mais celui-là, il est réglé un peu trop clair. J'en ai un qui permet en fait de balancer dans le chat des informations. Elle menace Vizima. L'ordre combat les bêtes depuis longtemps. Non,
C'est pas celui-là. C'est l'autre où c'est écrit Staos. Et Stream Element, il fait aussi ça, mais il permet de faire d'autres trucs aussi. En fait, tous les bots permettent de balancer des trucs dans le chat, mais sauf que Nightbot, il déconne en fait. En fait, il te balance le lien, mais sauf qu'il te dit genre, bah le lien il fonctionne pas. Alors que le lien il est. Il marche très bien parce que les autres bots ils le font. Donc. Pourquoi il veut pas sortir sa grosse épée ? Geralt ? P. Glaive d'argent D. Ah d'accord, c'est pour ça, j'avais pas la bonne le bon bouton. Ah bah voilà, j'avais pas le. Ça marche mieux si je me mets en mode groupe. Lol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 
Si tu veux faire juste des modérateurs, si tu veux faire des mecs qui spamment dans le chat. Oh. Alors, qu'est-ce que j'ai à manger? Ah merde, elle me tape en plus la bait. Puis elle me suit. Mais non, mais il fait la modération, mais après ça dépend comment tu le règles. Fais surtout du bordel. Ah, si tu veux. Alors. Ça, c'est des potions de chat. Chat. Ouais, j'ai fini la quête. Je suis content. Le Cocatrix est mort. Quittons les égouts. Je vais repartir par où je suis venu. Je vais vous indiquer une autre sortie. Prenez la tête du Cocatrix. Vincent paie cher de tels trophées. D'accord. Mais oh là là. Comment on quitte les égouts? La porte mène au. Les chemins de saut. Oh oh, il y a quelqu'un qui vient. Il y a un assassin. Ah merde, il y a encore un autre assassin. Non, non, j'ai pas pu les looter. Des amis à vous. Des voyous. Les salauds. Du son de la salamandre me harcèle depuis quelque temps. Qui savait que vous alliez dans les égouts? Oh là là. Le capitaine de la garde. Non mais. Du cachot et les prisonniers. J'ai affronté le Cocatrix en échange de ma liberté. Les suspects ne sont guère nombreux. En trouvant le chef de la bande. J'ai un ami détective à Vizima. Vous devriez aller le voir. Où allez-vous? J'ai affaire voilà. À mes quartiers. Non mais attends, je finis ma quête et puis je vais arrêter le live et je t'aide à faire tes bottes. Je suis ravi de notre rencontre, Siegfried. Je dois récupérer mes affaires. Vérifiez que vous avez tout. Joseph est connu. Google Traduction. tu sais qu'il y a une option pour le mettre en français. Il va se faire chier à traduire tout en fait, alors qu'il existe un bouton pour le mettre en français. Il y a une appli pour ça. On peut le faire avec Mastercard. Ah là là. Spam protect. Le quartier du temple de Vizima.
putain, assassin et mendiant. Le repère de la salamandre est prêt. Comme d'hab. Pourquoi changer? Oh, oh, oh. Ouais, je suis sorti des égouts. Le détective privé dont a parlé Siegfried, pourquoi pas. Il faut bien... Ouais, mais moi je suis content, parce que pour le live, ça avance, ça veut dire. Qu'on a avancé. Hop, hop, sauvegardation. On fait de la sauvegardation, nous. Vieille étagère. Prends le fromage. Vole tout chez les gens. Ah là là. Une penderie. Je peux pas leur faire les poches aux gens quand ils dorment. Ah merde. Ah là là. Je suis Gérald de Rive. Votre légende vous a précédé. Je peux vous aider. Vous pouvez me renseigner? J'ai travaillé pour les avocats Codringer. Et ah là. J'imagine que ça vaut une recommandation. Vous savez qu'un renseignement, ça se paie. Je paierai. Je paierai. Je suis tout oui. Elle dit. Je m'intéresse aux gens qui portent des écussons de la salamandre. Giveaway. Je sais bien quelques trucs. Mais j'aimerais savoir d'où vient votre intérêt pour ce dossier. Hazar Javed, ça vous dit quelque chose? Ah là là. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ma botte a rendez-vous avec l'arrière-train de Javed. Je fais payer mes renseignements. Ah là là. Mais ça fait un bail que je m'échine sur ce dossier. Une affaire personnelle ou une mission? Bah si. Je vais vous faire confiance. Un couple vivait à Vizima avec leur gamin. Est-ce que t'as pas trouvé? Un jour, le père rentre chez lui, mais il n'y a ni son chien, ni l'odeur du dîner, ni le rire de son fils pour la cuisine. À moins que ce soit pas le bot là que je pense. Sa femme épinglée sur la porte de la cuisine par une lance. Il cherche son fils en vain. Les coupables n'ont pas laissé de traces. Vincent Miles a dû classer l'affaire. Aucun témoin. Alors. Sauf que 6 mois plus tard, on trouve le corps d'un monstre à la décharge. Les yeux comme des plaies suppurantes, la peau épaisse et blanche. Tout le monde avait oublié le meurtre et l'enlèvement. Enfin, presque. Vous voyez, le gamin qui avait disparu avait un 6e orteil. Et le cadavre du monstre aussi. Le père a consacré sa vie à retrouver les meurtriers. Espérons qu'il y arrivera. C'est tout ce qu'on peut faire. Hazar Javed dirige la salamandre. Ah là là. Plus dangereux qu'une fosse de Kikimore, mais il est intouchable. Ah ben c'est triste, les gens, ils parlent pas dans le chat quand ils sont là. Une opération de grande envergure pour mener des expériences. Un voyou classique. Bah, tout à l'heure, il y avait 3 personnes. Donc, sur 3 personnes, pourquoi personne ne parle? Le capitaine de la garde qui a lâché l'enquête disparaît la nuit. Vous pourrez peut-être lui arracher quelques renseignements. C'est tout? Au pire, ils ont qu'à faire des dons et puis voilà, c'est tout. Dans des cachots. Oui. Allez, s'ils veulent pas parler, ils font des dons et puis c'est tout. De tirer les verres du nez des gardes. Comptez sur moi. Les informations sont sans doute cruciales. Vous savez autre chose sur le prisonnier de la salamandre? C'est peut-être un des chefs. Fixez que lorsque vous l'aurez interrogé. On verra. Juste une chose. Je crois que quelqu'un vous suit. Comment m'en débarrasser? Attendez ici un moment. J'ai faim avec tes conneries. Ceux qui veulent vous surprendre, je partirai à minuit. Pour que je voie les messages sur l'écran. Le sorceleur prend son temps. Bah normalement, tu le vois que sur le chat. Il n'y a pas un tableau où que ça te le montre. Vous avez affaire dans
confie cette tâche à notre meilleur élément. Bah parce que j'ai le chat sur le côté. J'ai sorti le chat le chat. Le chat de Twitch. J'ai sorti le chat de Twitch et puis bah en fait quand tu cliques sur la petite icône du chat t'as un bouton qui perd où c'est écrit que tu peux Ah merde, j'aurais dû me aller voir plus près des gardes, comme ça ils me les auraient butés, puis c'était fini. C'est une technique de lâche en fait. Bah non, mais j'ai jamais dit que j'appréciais pas. C'est ce que tu fais, c'est tu lances un combat et tu vas près des gardes de la ville, comme ils sont immortels. Et venez, venez. Attends, j'ai plus qu'à aller fouiller. Reviens le chien. Waf. Il y a un chien qui a fait waf. Et ting, tang, tong. C'est les ting, c'est les tang, c'est les tong. Interdit par le capitaine. Pourquoi ? Ordre du capitaine. Adressez-vous à lui. Monsieur. Ok. Est-ce ainsi qu'on traite un héros ? Geralt, le sorceleur qui a sauvé Vizima des griffes d'un Cocatrix. Un héros ? Ça change tout. Un héros ? Ça change tout. En ce cas, maître Geralt, vous voyez passer. Nous trinquerons à votre santé. Merci. Ah, tu poses beaucoup de questions. Une surprise. Je t'ai dit, si, que je t'ai proposé de l'aide pour. Pour le régler, tu m'as dit, ah bah non, débrouille-toi. Ou pas. Débrouille. Je travaille toujours seul, mais j'étais curieux de voir un chevalier en action. Pour un humain, il s'est bien comporté. Il m'a témoigné une gratitude. Je t'entends plus. Oui, c'est bon, je t'entends à nouveau. Malheureusement. Oh. Bah oui, c'est un peu le principe d'écrire. Ah, c'est juste c'est moi qui ai mis ça, mais en fait ça sert à rien le truc là. Parce qu'en fait, l'écran où tu joues, c'est pas l'écran que les gens voient en fait. Donc en fait, ce qui est par exemple, ce qui apparaît sur l'écran, moi je le vois pas en fait. Il me faudrait un deuxième, il me faudrait un troisième écran pour que je puisse l'afficher en dehors de la fenêtre du jeu quoi. Et c'est chiant. Bah parce qu'il faut, parce que j'ai un écran pour le jeu. Un écran pour où que j'ai le chat et les bots, enfin tu sais où qu'il y a mon XSplit avec les bots, le chat, tout ça. Et il me faudrait un troisième écran pour que je puisse voir en fait mon live en direct quoi. Et puis bah ça me fait chier d'avoir un troisième écran quoi.
Pas forcément, parce qu'en fait, tous les bots peuvent ban et tout ça, mais ça dépend comment tu les règles. Oui, bah, je parle pas à toi. Alors, on va faire l'émission parce que c'est bien beau de traîner comme ça à se promener, mais bon. Quête. Alors, la bête des égouts. J'ai preuve que j'ai tué. Suive la quête. Il faut que j'aille. Oh, bah, ça fait loin, quoi. J. Consigne. Il faut que j'aille récupérer les affaires, Jeff. Non, ça fait loin. Je dois recevoir glaive. C'est où? Ah oui, mais c'est loin aussi. Le témoin du complice. Joseph. Témoin, témoin, recherche. Secret. En argent. Ouais, bah, c'est au même endroit. En gros, j'ai toutes les quêtes au même endroit. Il faut que je discute avec Vincent. Putain, mais... Bon, bah... On va voir Vincent. C'est tout droit. C'est simple, c'est tout droit. Mais je sais pas comment on y va, en fait. Oh, il y a des chevaliers. Oh, une affiche. Ok. Ouh, poussez-vous, poussez-vous! Là là. Moi, je leur rentre dedans, moi. Ok. Donc, on tourne là. C'était pas ça. Au moins, on visite la ville, on découvre. C'est pas par là. Par là? Non. Par... Non, pas par ça. Par là? Ouais, c'est par là. Ouais, non, mais par là, quoi. Bah en fait, le souci, c'est qu'il n'y a pas de mini-carte sur le truc. Donc, dès que je change de rue, je suis obligé de regarder si c'est bien dans la bonne direction. J'en sais rien, moi. De toute façon, je te parle plus. Attends, il est où ce mec? Gérard. Qu'est-ce que j'ai branlé? Non mais la caméra est plus pareille. J'ai merdé un truc. Non. J'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas, je crois. F3, voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Alors, le bonhomme, il est où? Non, mais... Tableau d'affichage. On prend tout. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà. Vous êtes libre. Ouais, vous êtes libre, vous pouvez respecter les quarantaines. Comment ça? Je suis content.
Nous surveillons les sorceleurs de très près. Et moi qui croyais que nous étions... Qu'y a-t-il ? L'enquête de la salamandre. Patience, sorceleur. Vous saurez tout ce soir. Je peux vous aider ? Je peux vous aider. Des entrepôts des bas-fonds. C'est une affaire complexe, impossible à régler à coup de glaive. Y aller seul ? C'est une opération secrète. Comment je devrais y aller ? Avec un groupe d'assaut, des armes... Heureux ? Je ne suis pas nouveau dans le métier. J'ai mes trucs... Peut-être. Je pensais que t'en avais marre de moi et que t'étais parti. Je m'étais dit, ouf, enfin. La salamandre, en quoi cela vous concerne ? Je voudrais... Vous n'obtiendrez rien, ni de moi, ni de mes hommes. J'ai la preuve que j'ai tué le Cocatrix. Me faire un don. La récompense de 400 orins bien mérite. Vous vous cherchez aussi des monstres ? Je n'aime pas risquer mes hommes. Je récompense ceux qui en tuent. Il suffit de m'apporter une preuve. Quel monstre rapporte le plus ? Pour l'instant, j'ai reçu des fonds pour le Cocatrix dans les égouts. Et une espèce de plante sanguinaire qui a tué des gens dans les marais. Qu'y a-t-il ? Adieu. Imbécile. Vous avez eu raison de... Enfin, j'en ai fini avec cette situation absurde. Prenez vos affaires dans le coffre avant que je ne les revende. Et n'oubliez pas la récompense pour la tête du Cocatrix. Vincent adore les trophées. Ah, je vais enfin pouvoir me reposer. Je vais inspecter... C'est tout ? Équipement de belle qualité. Oh, bon sang, c'est fort ! Ouais, mais il faut aussi de... Il faut aussi financer les filles. Pourquoi avez-vous relâché le professeur ? En fait, ce jeu, c'est un jeu de macro, en fait. Tu récupères l'argent des filles, et puis... Je devrais faire comme les gars qui relâchent les criminels. Et puis, t'améliores le matériel, quoi. Hey, vous êtes encore soupçonné. Et puis, tout était légal. Quelqu'un a payé sa caution. Et qui est ce discret bienfaiteur ? Oh là là. L'argent a été transféré depuis la banque naine de Vivaldi. Impossible de remonter à la suite. Laissez tomber. Ça pourrait me coûter cher de parler de ça. J'ai des questions. Que savez-vous sur le prisonnier de la salamandre ? Et pourquoi je vous répondrais ? Le capitaine me tuerait. Je peux... Ah bah oui, hein. Ouais, mais après, la fille, elle coûte de plus en plus cher. Pour avoir mis à part du professeur, Voltest doit détester la salamandre. L'or ne vient pas du trésor royal, ce sont des fonds privés. Intéressant. Il y a aussi une récompense pour les écussons de la salamandre ramassés sur des bandits morts. Qui est ce philanthrope ? Je ne peux rien. Dat bisou, il a dit dans le chat. Dat bisou. Vous êtes enrhumé. My big is the my dick is big. Le quoi ? L'endroit où vous pouvez retrouver. Mais il va arrêter de se faire de la musique, lui. Si vous achetez un jour du fistec. Sinon tu vas rencontrer Sarah. Lui dites pas que je vous envoie. Ouais, non mais tout prendre. Ah merde, il y a plein de trucs que je peux pas prendre.
Écoute, maman est près de toi. Et si tu pouvais lui dire, ferme ta gueule! Ferme ta gueule, s'il te plaît. Putain, je sais pas quoi lui filer, tiens, une bière. Je sais pas, il me dit qu'il est malade. Moi, je sais pas, je lui file une bière. Ça marche pas comme ça, la maladie? Oh là là. Vas-y, ça c'est quoi? Je dois interroger le nain. Ouais, bah en fait, il y a un peu beaucoup de quêtes, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ah non, mais ça va faire presque 3 heures que je suis en live. Oui, là, bah 2h30, 3 heures, c'est... Si je commence à quoi? De toute façon, y a pas grand monde sur le live en ce moment. Non, mais c'est la faute à l'école, ça. Bah ouais, en plus on est mercredi, donc il devrait avoir beaucoup plus de monde. Mobot. Naibot. Tu vois, Naibot, il est bien. Il te fait des vues, il te fait des personnes en plus. Putain, en fait, il fait mal cette connerie. Elle m'a à moitié crevé le. Elle m'a à moitié crevé. Ouais, Bobbies. Bobby. Hop. On va prendre une bière. Ah. Hein? Regarde Squeezie, toi. Oh là, oh là. Bon, bah les gens, on sauvegarde, on arrête là, et puis on reprendra la prochaine fois. Donc,